Je voudrais ne plus vous quitter, mais j'ai une course urgente à faire. Il faut absolument que je passe au salon permanent du confort ménager. Figurez-vous, imaginez-vous que nous avons acheté, ma femme et moi, une machine à laver, la semaine dernière, et elle a perdu le mode d'emploi. Alors évidemment, moi, je sais la faire marcher, j'ai très bien compris le fonctionnement, mais comme nous avons un bébé, c'est moi qui fais la lessive tous les deux jours. Alors, c'est pourquoi j'ai absolument besoin maintenant d'aller chercher à moins que vous me désiriez m'accompagner. Parce que ce serait avec plaisir. Puis-je avoir un prospectus, monsieur, s'il vous plaît? Mais certainement, madame. Merci. Je voudrais vous poser une petite question. Mais surtout, répondez-moi franchement. Je ne me suis jamais décidée jusqu'ici, n'ayant pu obtenir une explication claire. Tous ces nouveaux appareils, est-ce vraiment utile dans un ménage? Ah, oui, ça, madame. S'il y a deux appareils électroménagerie, s'il y a deux outils nécessaires aujourd'hui à la ménagerie, à la ménagère, c'est bien sûr, c'est aussi. Pardon? Je dis c'est bien sûr, je dis c'est d'abord le mixeur, voyez-vous, pour faire les jus de fruits, et même de plus les jus de méglumes, les jus de tomates. Vous mettez une tomate, ça la moue toute. Comment? Je dis ça la moue toute. Ça moue la tomate, ça moumoute. Ah, et ça mousse. Ça mousse, ah bah oui, ça, non, oui, ah oui. Ah, ça mousse, forcément. C'est à cause de la vitesse qui produit la messe. Qui produit la mousse. C'est à cause de la vitesse du couteau hélicoïdal à la main courbe. Comment? Je dis c'est à cause, c'est marqué. Ah, voilà, je me disais aussi ça mousse et on n'a pas mis de savon. On n'a pas, non, mis de savon. C'est, ah, le savon. Le savon, c'est pour la machine banalée. La maniche, voilà. Là, j'ai la même, d'ailleurs. C'est merveilleux, je peux vous en parler. Comment? Je dis, c'est merveilleux, je peux vous en parler. Ah, mais c'est... oui, parlez-moi, au contraire. Ah non, je dis, non. Oh, c'est trop compliqué. Ah, c'est pas du tout, c'est très simple, au contraire. Voyez-vous, moi, j'aurais peur de m'emberlificoter dans... Oh non, pas dans celle-ci, voyez-vous, même moi. Si je voulais m'emberlificoter, comme vous dites, j'y arriverai pas tellement c'est simple. Non, ça, dans les autres, oui, dans les autres, j'admets ça. Dans les autres, une fois lavé, il faut sortir le linge, il faut le tordre, vider l'eau sale. Tandis qu'ici, le linge, je peux vous le dire, je sais que vous le léchez, vous pouvez le lécher, vous pouvez le laisser, puisque vous pouvez valider, la vider par une pompe. Pas une pompe à vélo, dans un simple bouton, et ensuite la remplir d'eau propre avec ce tube en caoutchouc. Il n'y a pas de mystère, madame. C'est un simple tube en caoutchouc, un tuyau ordinaire, comme vous pouvez voir, matière plastique. Ensuite, vous refermez et vous remettez en position de rinçage. Pour les légumes? Pour le linge, madame. Non, alors en fait, vous reniflez, refoulez l'eau et hop, position d'arrosage. Position, c'est d'orage, pour sécher. Vous savez, on dit que les mandiches abîment le linge, on dit que les machines abîment, mais quand vous le tordez à la main, ça ne fait pas tort de rire. Et le mystère? Il n'y a pas de mystère. Ah, le mixeur! Ah, ben c'est aussi simple, madame. Quand votre légume est bien frotté, ou lavé, vous le coupez en deux, ou même en trois. Même les draps? Mais non, les légumes. Vous le mettez dans le répiciant, vous voulez mes pieds, dans le vase, tourbez le mouton, et hop, et ici, de même ici, voyez-vous, grâce à la vitesse, le linge bien claqué tout autour et ses gouttes sur l'air à pois. Et ses gâtes sur l'air à poutre. Ses pattes sur les garoutes. Ses gouttes sur les parois. Je vous demande pardon, je répète. Oh, n'ayez pas peur de répéter. Je suis un peu dure d'oreille. Ah. Et on peut laver combien de kilos? Ah ben, il y a plusieurs modèles. Celui-ci, c'est 5 kilos. Ah, eh bien, je préfère celui-ci parce que je prépare toujours mes pommes de terre par 5 kilos. Mais c'était pas pour broyer les légumes. J'ai compris. Le petit, c'est pour broyer les fruits ou les légumes. Voilà. Et le grand, c'est pour les laver. C'est pour laver le linge, madame. Ici, les légumes et là, les fruits.
veux dire, là, les fruits et là, les légumes. Non, là, que des luges, là, que des luges, que du linge et là, que les pommes de terre. Non, écoutez, patate. C'est pas ce que je veux dire. Mais si, j'ai très bien compris. Égouttez mes patates. En résumé, ce qui concerne le lavage du linge, c'est uniquement dans cet appareil. Voilà. Quand on le sort, on n'a plus qu'à le repasser. Et c'est ça. Qu'à le repasser dans le petit pour le finir. Et ça fonctionne comment? Au gaz ou à l'électricité? À l'électricité, c'est bien machin, ça ne peut pas marcher au gaz. Au gaz. Donc, non, au courant électrique. Le courant est électrique, est-elle sourde? Madame, puis-je vous parler en ami? Oui. Je ne suis pas le patron. Vous n'en voudrez pas? Non. Il faut vous acheter un sautonone, madame. Il faut vous acheter un tonneau. Il faut vous acheter un appareil, madame. Il le faut. Eh bien, monsieur, vous n'êtes pas un vendeur comme les autres. Vous m'avez convaincu. Et ce n'est pas un appareil que j'achète, mais deux. Le grand et le petit. Voici mon adresse et 5000 francs d'art. Non, pas de reçu. J'ai confiance en vous. Mais ça, c'est complet.